Les amis, de retour pour la suite de la vidéo et sûrement la fin du chapitre. Et voilà, mon seigneur. Tout est préparé. Êtes-vous prêt à être lavé? Hein? Qui est là? Bienvenue, étranger. Tu es venu rendre hommage à notre seigneur Eldermatt? Ton Elderman n'est plus en état de tenir conversation depuis longtemps. Mais il reste d'agréable compagnie. J'ai reçu ordre de laver et de préparer son enveloppe terrestre. Et qui te l'a ordonné? Les soldats. Lorsqu'ils l'ont amené, il protestait. Faiblement. J'ai fait de mon mieux pour le soulager. Et puis, il s'est éloigné. Gunvald mérite de savoir ce qu'est devenu son père. Il est son héritier, et mérite une chance de devenir Elderman lui-même. Le moment venu, j'imagine. Non, maintenant. Lorsque les gardes me l'ont confié, ils m'ont dit de garder tout ceci secret. Jusqu'au moment opportun. Lorsque j'ai demandé qui a donné de tels ordres, on m'a frappé. Je ne puis en dire davantage. J'ai vu ce que je voulais voir, mais Gunvald voudra une preuve. Bien sûr, fouille librement dans ses affaires. Mais je ne peux te dire quel objet pourrait te satisfaire. Je trouverai quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, et je préfère ne pas demander. Oui, j'ai pensé la même chose. C'est troublant. Des déjections de rats partout. Même mort, mon seigneur est l'ami de toutes les créatures de Dieu. Des herbes et des baies séchées, réduites en poudre. Le délai entre le départ de Monseigneur et ses funérailles est plus long que de coutume. Monseigneur doit rester présentable pour les rites à venir. Des vêtements moisis et une broche ornée d'un blason. La maison du cygne féroce. Cela fera l'affaire. Je vais rapporter cette broche à Gunvald à Lincoln. J'espère que cette triste nouvelle ne l'éprouvera pas trop. Comme discuter avec toi un petit peu. Prends soin de toi. Toi aussi. Je vais vous conduire jusqu'à votre crypte familiale de Nettleham, à Lincoln. Là, vous reposerez auprès de vos aïeux, les glorieux rois de l'Inzed d'autrefois. Je t'en prie, ne profane pas notre seigneur. Je suis une femme du Nord, pas un modèle de cruauté.
Aide-moi. Deviens mes yeux. Voilà. Beurre. Bah, cinématique, les amis. Quelles sont les nouvelles ? Ton père, il est mort. Hein ? Quoi ? Le sceau de la maison d'Unbeort. Je l'ai trouvé près de sa dépouille. Non. Non, c'est impossible. Il était fort. Un pilier du Lincolnshire. Il ne peut pas être mort. Mon pauvre garçon, je suis triste pour toi. Je suis un homme, Atcha. Tu entends? Je suis un homme et le fils de mon père. Ne l'oublie jamais. Calme-toi, Unwald. Te voilà à la tête de ta maison désormais. Un autre signe prend son envol. Mais je demeure le dernier d'une lignée de nobles en déclin. Je suis désolée, Unwald. J'avais demandé à un prêtre d'administrer les derniers sacrements à ton père avant sa disparition. Comment ça? Si je ne te l'ai pas dit plus tôt, c'est parce que je pensais qu'il aurait survécu par miracle. Tu m'as menti! Espèce de crétin pleurnichard! Tu ne grandiras donc jamais? Que Dieu ait pitié de cette femme. Elle aurait dû parler plus tôt. C'était son devoir de s'exprimer. Unwald était le fils d'un Elderman. Va-t-il prendre la place de son père? Le titre n'est pas héréditaire, mais il peut plaider sa cause devant une assemblée du comté. Le roi Cheowulf devra ensuite ratifier la décision. Explique-moi comment fonctionne cette assemblée. Il s'agit d'une réunion de seigneurs. On la convoque de temps à autre pour décider de la direction à suivre. J'ai toujours eu l'intention de réunir cette assemblée.
Mais entre les troubles à Lincoln et les attaques de bandits, la repoussée Sinédier s'est avérée commode. Nous avons un usage similaire que nous appelons Halting. Une assemblée de bonnes gens. Avec tant de pratiques communes, la paix devrait régner entre notre peuple et le tien. Peut-être en est-ce le début. En dehors de Hunwald, qui prétendra au titre d'Elderman? Pardonnez mon arrogance, mais j'aimerais proposer. Sous ma conduite, le comté a connu une certaine paix ce mois-ci. Je me présenterai aussi. Ma famille a des liens très anciens avec ces terres. Et je suis fier de dire que j'ai noué des amitiés avec les Danois du Nord. Bien. Les prêtres vont annoncer dans tout le comté la tenue de l'Assemblée. Nous allons la convoquer d'ici quelques jours. Rends-moi visite sur mon domaine, Eivor. J'ai quelque chose pour toi. Quelque chose qui devrait te plaire. Je tâcherai d'y penser. Eivor, un mot si tu le permets. Ce mot, est-il chrétien ou païen ? Oh, je regrette profondément mon si piètre accueil lors de notre rencontre. Je ne t'ai pas traité ainsi que l'ordonne mon Dieu, avec bonté et amour. L'amour n'est pas un sentiment qui se commande. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir résolu ce mystère. J'espère que tu seras présente à l'Assemblée. Maintenant que la mort de Unbeorg est déboutée, les ennemis de Hunwald risquent de tomber. Je dois le trouver avant eux. Atcha est allée le réconforter. Je ferai bien de la suivre. Et ben voilà les amis, fin du chapitre. Je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne pour la suite de l'aventure d'Ivor. All in clencher. Allez, tchuss.